De lui, les médias ne diffusent qu'une photo, toujours la même, avant l'agression. Et si le jeune homme peine à se montrer cerveau irréversiblement touché, ce qu'il dégage impressionne. Matisse le croise pour la première fois. Ah, moi, je vois un héros. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les vrais héros, c'est pas les super-héros qu'on voit dans les films, mais c'est des gens qui arrivent justement à faire face au quotidien. Dès lors, réunir en moins de 4 semaines 5 groupes de la scène lyonnaise, trouver une salle, organiser la logistique, tout devient étonnamment plus facile. Je crois que c'est un petit peu contagieux. C'est un condensé de gens bien, à tous les niveaux, les artistes, les gens qui sont autour, les techniciens qui sont venus bosser bénévolement, enfin, top quoi. C'est quelque part, l'un après l'autre, sont en chemin. C'est mieux là. Et c'est le nôtre. Valérie, comédien, a lui succombé à l'histoire il y a plusieurs mois. Sur Internet, il voit les premiers pas de marins titubants pour revenir vers la vie. Une révélation partagée sur les réseaux sociaux par près de 200 000 personnes. Allez, je vais exagérer, c'est presque une raison de vivre maintenant. Il a montré le chemin à beaucoup de personnes. Je ne suis pas le seul à qui marin a changé la vie. Ou quand le fait divers devient fait de société. Un passant s'interpose pour protéger deux amoureux et c'est comme un déclic, comme si le sacré était massacré. Une violence insupportable. S'il y a un avant et un après marin pour réveiller les consciences et faire en sorte que les choses évoluent, ce sera une bonne chose. Merci à tous pour votre présence, c'est ça. L'engouement, tel que Marin fera une très courte apparition sur scène, saluée par un public debout, comme lui.